Aujourd'hui, on va prendre une jig très connue à rallonge, tu vas voir. Donc, c'est un peu la caractéristique de cette jig. Typiquement, il y a plus de parties que de doigts sur cette main. Alors, ne pars pas en courant. Cette jig, elle est possible. Il est possible de la prendre. Hein. Si je te la propose, c'est que c'est faisable. Elle est très intéressante, tu vas voir, très stylée. Et puis, voilà, les parties s'enchaînent facilement en fait. Les parties sont cohérentes. Donc, ça prend vite. Les parties sont pas si compliquées que ça en fait, si tu les prends une par une. Je t'invite à écouter, voilà, je vais le jouer pour te donner envie sur la flûte en la. Et puis après derrière je vais repasculer évidemment sur une flûte classique hein, en ré pour le jouer avec toi. Allez, je vous rapproche. Bon, si t'es prêt, on va commencer sur un mi. Première partie. Deuxième partie. Troisième partie. Quatrième partie.
cinquième partie. Et dernière partie, sixième partie. Voilà, allez, je vous rapproche. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a servi, voilà, ce tuto. Écoute, n'hésite pas à régler le tempo, hein. C'est comme d'habitude sur YouTube, ça marche très bien ça. Moi, de mon côté, je vais te mettre quelques liens en description, je sais pas encore lesquels exactement, mais si tu veux, l'idée c'est que t'écoutes ce morceau joué par d'autres personnes, parce qu'il n'y a rien de mieux, je trouve, pour s'imprégner d'un morceau que de l'écouter joué par différentes personnes avec différentes variantes et tout. Donc je te fais ça, puis voilà, on se laisse là-dessus. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao.